Je consomme local avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle recette de la semaine. Je partage avec vous une gourmandise de mon enfance, mes beignets au sucre de canne. Pour réaliser cette recette, il vous faut de la farine locale spéciale gâteau, du rhum vieux, des œufs, de l'eau, du citron vert, du sel, du beurre doux, de la vanille, de la cannelle, muscade et sucre de canne. Je commence par verser mon eau dans ma casserole, mon beurre, mais aussi tous mes arômes, à savoir la vanille, la cannelle, la muscade, le zeste de citron vert. Comptez 2 minutes à frémissement, le temps de concentrer les arômes et bien laisser fondre le beurre. J'ajoute maintenant le rhum vieux. À feu doux maintenant, j'ajoute ma farine en une fois. Et sans plus attendre, je mélange énergiquement à la spatule. On reste sur le feu, c'est justement la méthode de la pâte à choux. J'ajoute maintenant mon sucre de canne et une belle pincée de sel. J'ajoute maintenant les œufs un à un. On fouette. Voilà, une pâte lisse, homogène et ultra parfumée. Je la laisse reposer au réfrigérateur une heure. Dans mon huile bien chaude, je viens maintenant verser ma pâte à beignets. Et voilà, des beignets tout chauds et croustillants, mais avant de les déguster, je les parsème de sucre à la cannelle. J'ajoute un peu de citron vert, le zeste, pour le petit coup de fraîcheur. Et là, ça y est, appelez les gourmands, c'est l'heure de déguster. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette et d'ici là, prenez soin de vous. Je consomme local avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique.